Si vous avez un chat à la maison, vous savez qu'ils peuvent parfois endommager vos meubles avec leurs griffes. Certains propriétaires préfèrent les faire dégriffer, mais à compter du 10 février, ce ne sera plus possible, Sarah. Effectivement, et le dégriffage était autrefois très répandu en raison non seulement des dommages qu'il pouvait causer aux meubles, mais également en raison de la peur de la maladie de la griffure de chat qui était très répandue dans les années 1950. Par contre, dans les dernières années, avec la science qui a évolué, eh bien, on a moins peur de cette maladie bactérienne qui peut causer des infections graves. Par contre, il y a encore des gens qui considèrent avoir recours à la chirurgie pour leur chat. On écoute des gens à qui on a parlé un petit peu plus tôt ce matin. Personnellement, j'ai toujours eu un chat qui était dégriffé, puis les vétérinaires l'ont toujours fait. Alors... Moi, je trouve que c'est leur enlever leur défense. Je suis contre ça. Si on a des meubles qui coûtent des années à payer, là, je pense pas qu'on devrait avoir des chats. Cette pratique vient essentiellement amputer le bout des pattes des chats, autant sur leurs mains à l'avant que leurs pieds à l'arrière. Donc, c'est comme de dire qu'on retire le bout des 10 doigts sur un humain. Donc, bien évidemment, ça a des impacts sur la santé des chats. Je vous laisse regarder un tableau qui devrait apparaître à l'écran à l'instant. Donc, on parle notamment que la procédure peut causer des problèmes de comportement qui, eux, causent l'abandon majoritairement. Les chats dégriffés se sentent également plus vulnérables, ce qui nuit à leur confiance en soi et peut les rendre anxieux et craintifs. Il y a également des impacts physiques, donc des complications qui peuvent survenir à la suite de la chirurgie, ce qui se déroule pour 50 % des cas. Il y a une douleur orthopédique aiguë qui peut s'installer également à la suite de la chirurgie. Et il peut également y avoir des dommages permanents aux nerfs des pattes. On écoute Dr. Lucie Hainaut, vétérinaire à qui j'ai parlé un peu plus tôt. Maintenant, on sait que les chats qui ont été dégriffés sont beaucoup plus à risque de faire de l'arthrose. Ils peuvent aussi avoir des douleurs qui les empêchent de bien placer leurs pattes quand ils marchent. Il faut savoir que les griffes sont utiles aux chats, pas juste pour sa défense, mais par exemple pour envoyer des messages aux autres chats. On rappelle bien évidemment qu'il existe des alternatives à cette chirurgie qui sera interdite à compter du 10 février prochain. Donc, on peut procurer un griffoir pour notre chat. Et bien sûr, on suggère de l'installer dans la partie de la maison où le chat vit. Donc, pas d'aller l'installer dans le sous-sol à côté de la machine à laver, mais bien à la vue du chat pour qu'il puisse faire ses griffes dessus plutôt que de le faire sur les meubles. Également, on peut faire installer des couvre-griffes chez le vétérinaire qui ne causeront pas de problème au chat ou encore faire tailler ses griffes soit à la maison ou soit se rendre dans une clinique vétérinaire ou encore des magasins comme Mondou qui le font également. Très bien. Merci, Sarah. Au revoir.